also know of Carl Andre. He killed his wife, artist Anna Mendieta, by mistake. We don't know for certain, but Mendieta may have been the greatest artist of all time, but we will never know. Mendietas Fall wirkt wie ein Katalysator, die Konfliktinnen deutlich machte, die erst Mitte der 90er Jahre zu Gespräch gekommen sind. Und Feministinnen gegen Männerkartell, Weiße gegen Immigranten. Zum ersten Mal ging es um Race, Class, Gender. You may be familiar with Yayoi Kusama due to a recent surge of attention to her work, as policemen led her away at her spontaneous illegal performance at MoMA in New York, Grand Orgy to Awaken the Dead. In 1969, she declared, "At the museum, you can take off your clothes in good company, Renoir, Mayol, Giacometti, Picasso. The nude has become socially accepted." Je voulais demander d'abord à Mélissa, au groupe de médecins, pourquoi est-ce que, en fait, elle montre beaucoup les femmes nues et pourquoi elles-mêmes elles sont nues? Also, warum diese Nacktheit? Warum die Nacktheit, Bilder der anderen Frauen und eure eigene Nacktheit? Nacktheit ist eine beliebte Arbeitsmittel in der Kunst, vor allem die weibliche Körper. Und wenn man das schon hat, dann benutzt es man auch. La nudité était beaucoup utilisée dans l'art, but first by men it was used a lot, the female. D'abord pour les hommes, ça a été beaucoup utilisé dans les images des femmes nues, et maintenant elles-mêmes, elles continuent à travailler avec ça, comme elle-même, elle est propriétaire de ça, elle peut travailler avec. Lorsqu'une femme est nue, sobald eine Frau nackt ist, on voit déjà une femme qui est nue. Da sieht man schon eine Frau, die nackt ist. Avec les parties sensibles d'une femme nue. Mit den sensiblen Teilen einer Frau, die nackt ist. Est-ce qu'il y a encore un autre type d'art derrière ça, derrière l'art qu'on sait, qu'on voit déjà? Wie kann diese Kunst, die dahinter steckt, da noch so durchdringen? Also wie durchdringen kann sich das beides so durchdringen? Dieses starke Effekt. Ich meine, ja, man muss sagen, dass Männer reagieren ein bisschen anders wie Frauen zur Nacktheit. Und vielleicht, wenn man Nacktheit hat, die Männer, die nehmen das ein bisschen vielleicht ernst und die sehen dann nur das und nicht was dahinter. Das kann schon sein. Aber öfters geht es auch um andere Sachen und ist auch, ich meine, ich finde auch Nacktheit und durch diese Arbeit damit, man geht auch gegen die Idee von Pornografie und der Körper nur als sexueller Träger. Wenn mehr Leute vielleicht nackig werden, werden da vielleicht weniger Gewaltverbrechen, sexuelle Gewaltverbrechen zum Beispiel. Okay, elle dit que peut-être pour des hommes, ça peut être que le regard de l'homme sur la nudité d'une femme, c'est un peu différent. Encore que toujours il y a quelque chose encore qui travaille dans ça. Mais qu'elle tente de travailler avec la nudité d'un sens qu'on voit que la nudité, c'est pas forcément un truc pornographique, qu'on peut transmettre des autres choses avec. Ça veut dire, disons, anti-pornographiser la nudité, et que même peut-être ça peut diminuer les crimes. Et, mais oui, je comprends ce qui est dit, mais quand on est nu, on est nu. Et elle-même, est-ce que ce n'est pas aussi en fait un succès facile?
applaudissez. Merci. Merci.